Le président de l'Assemblée nationale du Niger est arrivé ce matin à l'aéroport international de Ouagadougou où Séuni Tini a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé Alassane Bala Sakandé. Le président du Parlement de la République du Niger est à Ouagadougou pour participer aux travaux du sommet interparlementaire du G5 Sahel. Le point avec Oscar Soulama et Vincent Kendrebego. À 8h45 ce matin, le président de l'Assemblée nationale du Niger foule le sol burkinabé. Il est accueilli par son homologue burkinabé, Alassane Bala Sakandé. Ouseni Tini est en visite à Ouagadougou dans le cadre de l'Assemblée générale du comité interparlementaire du G5 Sahel. Les gouvernements ont mis en place le G5 Sahel, qui a pour mission de coordonner la coopération dans les domaines sécuritaires et économiques. Et dans la même logique, les parlements ont jugé indispensable et nécessaire d'accompagner ce mouvement. C'est pourquoi nous avons créé tout récemment à Niamey, finalisé à Paris, ce que nous appelons le G5 Sahel parlementaire. Et nous sommes aujourd'hui à Ouaga pour se rencontrer entre ces pays, les parlementaires donc de ces pays, pour mettre en place effectivement la structure G5 Sahel parlementaire, toujours pour, dans le cadre du renforcement de la démocratie parlementaire et bien sûr dans le cadre des prérogatives des différents parlements, en rapport d'ailleurs avec les pays de l'Alliance Sahel qui regroupe tous les bailleurs de fonds qui contribuent au financement du G5 Sahel. La première assemblée générale du comité interparlementaire du G5 Sahel est prévue du 12 au 13 mai 2019. Et la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le lundi 13 mai va regrouper des délégations de parlementaires des 5 pays membres du G5 Sahel.